Allez, c'est parti, dernier match de la troisième journée de la Coupe d'Europe de rugby, la Champions Cup. Nous sommes dans la poule 3. Toulon, le leader, défie les Anglais de Leicester sur leur pelouse. Ouais, ça passe entre les barres. Les premiers points de ce match, inscrits par Owen Williams, 9e minute, 3-0 pour Leicester face à Toulon. Ouais, ça passe. Deuxième réussite pour Owen Williams, 6-0, les Toulonnais sont sanctionnés. Les Toulonnais plutôt dominés dans ce premier quart d'heure. En dessous, il y a Tiusbord, mis au sol. Ah, bien joué, il libère cette balle, mais la passe pas ajustée pour Drobichel, qui capte pas très bien ce ballon. Oh, attention, là. C'est récupéré par Tabdok, et ça va être l'essai de Bradford. Aïe, 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 le premier essai du match, il est pour les Tigers de Leicester. L'essai de l'ancien Bradford. Leicester mène 11-0. Ouais, ça passe pour le Gallois. Deux points de plus, Toulon est mené 13-0 ici à Leicester. Et Nicolas Sanchez, nouvel ouvreur de Toulon, pour son troisième match avec le RCT, va essayer d'ouvrir le score. Ouais, ça passe. Bien Nico, a dit Pierre Mignoni au bord du terrain. Les premiers points de Toulon. Allez, Sanchez qui passe le ballon entre les barres. Toulon grignote son retard. Il n'est plus mené que 13-6. Et que Dan Cole relance avec Youngs. Williams, la sautée, la déception de Brian Abala. Brian Abala, c'est lui tout couille, il va aller marquer. L'accélération d'Abala. Et dans ce genre de cas, c'est au bout. Le ballon qui traînait par là. Et Abala qui le récupère, l'interception. Et voilà qui va faire du bien au Toulonnais à 5 minutes de la mi-temps. L'essai du Springbok, Brian Abala. Eh bien oui, on était dans une mi-temps qui était sans trop de rythme, qui profitait aux joueurs de Tigers. Et finalement, sur un coup de dé, cette interception de Brian Abala. Et avec la transformation de Nicolas Sanchez, Toulon égalise 13 partout. Ouais, ça passe. Et Leicester reprend l'avantage. 16-13, 5 minutes de jeu, 6 minutes de jeu dans cette deuxième période. Leicester 16, Toulon 13. Ça se relève en première ligne. Les ballons gagnés. Ah, gagné avec Tiusbord et dans le fermé. Oui, pour Drobichel. Oh, l'essai pour Toulon qui profite de ce ballon qui ressort sur la mêlée. Oh, les Toulonnais hyper réalistes qui prennent l'avantage pour la première fois de la partie. 18-16 avec l'essai de Drobichel. Il y a eu l'essai de Brian Abala en première mi-temps sur un ballon perdu par Leicester. Et là, c'est une mêlée perdue par les Tigers. Pas de souci pour le buteur gallois. Leicester 19, Toulon 18. Et la claveur qui accompagne le ballon entre les perches. Leicester 22, Toulon 18. Les Toulonnais ont 4 points de retard. Il reste un quart d'heure à jouer ici à Watford Road. Allez, face au bar, Nicolas Sanchez. Ça passe, oui. 3 points de plus pour Toulon qui revient à 1 point à 10 minutes de la fin. Ouais, silence total ici pour cette tentative de Wayne Williams qui pourrait peut-être donner la victoire à son équipe. C'est parti très haut, très fort et il y en a juste assez. Il y en a juste assez. Owen Williams qui marque 3 points de plus. Ballon bien libéré par Bastaro. Avec Roy Smith qui perd le ballon à l'impact, là en avant. Là en avant, dernier ballon perdu pour les Toulonnais. Et coup de sifflet final, Toulon est battu. Toulon est battu par Leicester. Score final 25-21. Toulon est tombé ici à Watford Road. Le double champion en titre est tombé
Et le suspense s'est relancé dans ce groupe. Toulon, avec le bonus défensif, reste leader avec 9 points, mais voit revenir Leicester un petit point derrière. La revanche la semaine prochaine à Mayol vaut rachet.